Au départ, le Rio Moche, c'est un fleuve du nord-ouest du Pérou qui prend sa source dans la cordillère des Andes. C'est aussi le nom d'une civilisation, la culture Mochica. Ici, nous visitons la Huaca de la Luna. C'est une construction en adobe. C'est un édifice qui a la forme d'une pyramide à degrés qui a été construit par les Moches et qui en firent le plus important lieu de culte de leur royaume. On peut découvrir dans la Huaca de la Luna différentes peintures murales, dont certaines sont restaurées, mais d'autres très bien conservées. Elles ont traversé les nombreuses années depuis que la civilisation Moche s'est éteinte, il y a déjà 13 siècles. La plateforme centrale est creusée de différentes sépultures que l'on voit. On y trouve des moulages répétitifs de représentations humaines ou animales. Et les tombes que l'on visite ont pu être utilisées pour l'inhumation des dirigeants politiques. D'autres structures ont été le théâtre de rituels de sacrifice humain. De l'autre côté de la vallée, on trouve la Huaca del Sol. C'est un édifice également construit en adobe qui a des dimensions énormes, 228 mètres sur 136, et la base elle-même se compose de 3 étages. L'ensemble s'élève à 41 mètres de haut. On estime qu'il y a eu 143 millions de briques d'adobe qui ont été utilisées pour sa construction. La Huaca del Sol a beaucoup souffert à travers les siècles, de par les inondations bien sûr, mais aussi de par les Espagnols qui avaient détourné le cours du fleuve Moche. Cette pyramide a certainement été pillée,